Sur la convention du travail maritime et sur la convention sur le travail dans la pêche qui nous réunit sur la mer à l'hôtel hôtel se déroulera selon le programme ci-après. Le discours de bienvenue du ministre de l'économie et de la réforme portuaire. Son discours sera suivi du message de la représentante du pays. Et enfin, nous aurons le discours d'ouverture du ministre du Travail et de la Fonction publique, porte-parole du gouvernement. À présent, je m'en vais inviter très respectueusement le ministre du Travail, le ministre de l'Économie maritime et de la Réforme portuaire à bien vouloir délivrer son message. Merci. Travail de la Fonction publique, porte-parole du gouvernement. Madame la représentante du BID, mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministère délégué auprès du président de la République, chargé de l'économie maritime, des transports maritimes et infrastructures portuaires, mesdames et messieurs les directeurs centraux et techniques du ministère du Travail et de la Fonction publique, mesdames et messieurs les représentants des départements ministériels concernés, par le travail maritime et le travail dans le secteur de la pêche. Monsieur le représentant du Conseil national du patronat du Bénin, Madame la directrice du département des normes internationales du travail, Mesdames et messieurs les experts du Bureau international du travail, Mesdames et messieurs les représentants des centrales syndicales des travailleurs, Mesdames et messieurs les représentants des organisations des armateurs, des marins et des pêcheurs, Mesdames et messieurs les participants, honorables invités, l'honneur me choisit ce jour
lundi 12 juillet 2010, de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture des travaux de l'atelier sous-régional de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest sur la promotion de la Convention du travail maritime et de la Convention du travail dans le secteur de la pêche. À ce sujet, il me plaît de rappeler que la Conférence internationale du travail, organisée sous les auspices de l'Organisation internationale du travail lors de sa 94e session maritime tenue à Genève, a adopté le 7 février 2006 la Convention du travail maritime. Ce nouvel instrument consacre la fusion en une seule convention des 37 conventions relatives au travail maritime en vigueur jusqu'alors. Cette nouvelle convention a essentiellement pour objectif de promouvoir les conditions décentes de travail des marins à bord des navires. Cet instrument vient compléter les normes d'emploi et de gestion des gens de mer adoptées sous les auspices de l'Organisation maritime internationale. Pour ma part, je peux vous assurer que le Bénin porte un intérêt particulier à cette convention, en ce sens que de nombreux Béninois exercent le métier de marin aussi bien au Bénin que sur les navires étrangers. C'est à ce titre que mon département s'est employé à l'avancement du processus de ratification de cette convention par la représentation nationale, qui a d'ailleurs déjà donné l'autorisation de ratification de la dite convention. Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, porte-parole du gouvernement et chers collègues, permettez-moi de présenter ici toutes mes félicitations à Madame la directrice du département des normes internationales du travail pour l'intérêt que le BIT accorde à mon département ministériel en ce qui concerne spécialement le travail maritime. En effet, le secteur maritime et les activités portuaires connexes représentent pour notre pays un facteur important de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Le port de Cotonou en étant le moteur est un atout majeur pour les activités commerciales des pays de l'Indiamande que sont le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Mesdames et Messieurs, cet atelier intervient quelques mois après l'organisation à Cotonou, du 28 septembre au 2 octobre 2009, du Symposium international sur les transports maritimes et l'économie maritime dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au nombre des conclusions issues de cette importante rencontre internationale, figure en bonne place protection, la formation et le bien-être des marins, ces bras guerriers de la mer assujettis à plusieurs intempéries. Vous convenez donc avec moi l'importance que revêt pour mon département cet atelier qui vise à harmoniser nos législations nationales avec la Convention du travail maritime et la Convention. Je puis d'ores et déjà vous rassurer que mon département ainsi que ses services techniques concernés ne ménageront aucun effort pour la réussite des présentes assises. Je saisis cette occasion pour remercier une fois encore le Bureau international du travail et le ministère en charge du travail pour leur excellente coopération dans les différents domaines de l'activité socio-économique de notre pays en général et dans celui du travail maritime en particulier. Honorables invités, mesdames et messieurs les participants, je reste persuadé que les résultats qui seront issus de vos travaux contribueront au développement des secteurs maritimes et de la pêche dans nos pays respectifs. Vive la coopération internationale, vive le Bénin, je vous remercie. Monsieur le ministre de l'économie maritime et de la réforme portuaire. Messieurs, mesdames, les représentantes de gens de mer, messieurs, mesdames, les représentants des amateurs, honorables.